Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des tables rondes Innovation et Cross Media, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors, le sujet du jour, comment est-ce que le mobile s'est fait une place de choix au cœur des stratégies des marques ? Omniprésent dans notre quotidien, mobile et tablette, ces couteaux suisses numériques constituent pour les marques une véritable aubaine, permettant d'asseoir une relation client unique et in situ, et de dénicher de nouveaux potentiels business. Alors, comment inscrire le mobile dans une expérience omnicanale ou multi-écran enrichie? Quels sont les prérequis pour une stratégie mobile réussie? C'est ce que nous allons voir avec quatre personnes, mes quatre invités, qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre pour ce débat. Je vais vous les présenter. Bonjour Hervé Brucker. Bonjour. Vous êtes directeur e-commerce et marketing digital de Carrefour Banque, filiale bancaire européenne du groupe Carrefour. Oui. Muriel Caillot-Fangous, bonjour. Bonjour, Majda. Vous êtes directrice des activités digitales de la maison Nux, leader de la cosmétique d'origine naturelle en France. Julien Henri Maurice, bonjour. Vous êtes directeur marketing groupe et relations clients de bazarchic.com, le premier site de vente privée de luxe. Et à ma droite, Pascal Lano, bonjour. Bonjour, Majda. Vous êtes directeur du business mobile et de la customer experience de voyagesncf.com, le premier site d'e-commerce et la première agence de voyage en ligne. On est juste. Exactement. Alors, je vais commencer avec vous, Hervé Brucker, donc pour Carrefour Banque. Alors, vous êtes arrivé récemment sur le mobile. Vous étiez déjà, si je peux me permettre, un peu en retard par rapport au web. Et donc, vous avez récupéré ce retard en enrichissant avec un volet mobile toute votre stratégie multicanale pour répondre à quel type d'enjeu? Alors, Carrefour Banque, ça existe sur Internet que depuis fin 2006, mm-hmm. Donc c'est déjà tout récent. Et il faut rappeler le contexte un peu de Carrefour Banque. Le but de Carrefour Banque, c'est de créer du trafic, soutenir l'enseigne Carrefour, avec des services fidélisants, la carte Pass, qui est la carte de fidélité avec des avantages et des remises. Ensuite, on doit vraiment créer du trafic en magasin. Sur le web, c'est vraiment de faire de la vente en ligne, des produits financiers et assurances épargne. Et sur le mobile, notre objectif, c'est d'en faire un vrai site e-commerce. Alors, le site mobile, ça existe depuis, et l'application depuis seulement un an ou deux ans chez Carrefour Banque, c'est un test. Et en 2014, c'est vraiment un des projets phares, le projet phare pour la partie digitale. Et on refond tout. Et l'objectif, c'est 2015, aborder la nouvelle année avec tous les outils pour attaquer le marché. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment est-ce que vous y prenez. Muriel, alors Nux, c'est une marque qui existe depuis 20 ans, qui est installée dans le cœur des Français, mais pas uniquement des Français, puisque vous êtes aussi présent à l'international, sur 65 pays. Mm-hmm. Vous avez fait le choix d'un mode de distribution plutôt indépendant, à travers les pharmacies et les parapharmacies. Et le mobile vient finalement vous installer la marque au sein de ces points de vente. Alors, dites-nous aussi quels sont vos objectifs. Alors, tout à fait, Majda. Le Nux est une marque dont le cœur de distribution est clairement retail, puisque c'est une marque qui s'est développée et qui a très nettement performé à travers la distribution pharmaceutique sur ces dernières années et qui n'a pas attendu, si je puis dire, ni le mobile ni Internet avant d'avoir de très beaux résultats. Pour autant, on a fait le choix effectivement de développer une stratégie digitale globale pour le groupe et donc d'en décliner une partie mobile. Et cette stratégie digitale n'a pas finalement le business pour enjeu majeur, puisqu'aujourd'hui donc Nux est présent déjà à travers 5000 points de vente en France. Donc l'accessibilité est là, le business est également là. Par contre, très clairement, le digital et le mobile en particulier vont être là à la fois pour répondre à des enjeux d'image de marque, de notoriété et surtout répondre en fait à une demande consommatrice qui est clairement là depuis ces dernières années. Aujourd'hui, la consommatrice veut avoir accès aux produits n'importe quand. Ce qui veut dire également en dehors des horaires d'ouverture de nos distributeurs, le soir, le week-end. Elle peut également avoir envie de ne pas se déplacer et de se faire livrer très simplement chez elle. Le mobile répond également aux besoins de la consommatrice de pouvoir, dans son bus le matin ou n'importe où, donc quand elle est en mobilité, de pouvoir avoir accès à la marque. Et il y a un dernier point qui est que clairement le mobile vient se positionner en support de nos distributeurs. D'accord.
Julien Henry, bazarchic.com. Alors vous, vous avez anticipé très tôt le m-commerce avec justement dès une 2009. Appli dès 2009, tout à fait. Absolument. Vous étiez la première appli iPhone proposée dans l'Apple Store, sur, c'est bien ça sur les ventes privées, oui. Sur les ventes privées. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est 30% de votre chiffre d'affaires qui est réalisé par ce canal-là. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce que vous attendez concrètement du mobile maintenant? Alors, les enjeux, et puis par rapport à Bazarchic, Bazarchic donc existe depuis 8 ans. Un site de vente événementiel, donc positionné sur le luxe et les tendances. Depuis 2009, l'enjeu a été vraiment d'aller innover et d'être provoquer une rupture et une préférence de marque sur ces éléments. L'enjeu a été également de, en effet, répondre aux exigences, aux usages qui se transformaient, donc de pouvoir être dans la poche, comme on dit, des gens. Donc de proposer ce parcours simplifié et uniforme par rapport au vaisseau amiral que pourrait être et qu'est bazarchic.com. L'enjeu également est un enjeu en effet de notoriété, d'accessibilité et de conquête de nouveaux clients qui vont permettre de travailler cette préférence de marque. Donc nous, les objectifs sont des objectifs clairement business, qui sont totalement, comme beaucoup, je pense, incrémentaux, qui aujourd'hui permettent de combler un trafic, je dirais, sur les sites desktop d'ordinateur qui stagne, voire qui commence à agresser, et de commencer à aller capter ces nouveaux territoires, nouveaux avec des guillemets, ils sont plus si nouveaux que cela, pour prendre cette croissance et cette demande par rapport aux clients. D'accord. Donc c'est une vraie stratégie que l'on a. 2014, en effet, nous, pour 2013 était l'année vraiment du gros mobile et du vrai deuxième écran, parce qu'on a commencé à faire une campagne télévisuelle où on a vraiment vu les effets de cette vraie complémentarité entre la télé et le web et le mobile. Et 2014 sera en effet de continuer à proposer des services complètement équivalents à ce que l'on peut avoir sur les versions web. Donc vraiment en accompagnement global et uniforme sur D'accord. tous nos supports. Ok. Alors Pascal, pour voyagesncf.com, on le disait tout à l'heure dans la présentation, c'est le premier site de e-tourisme en France. Alors je me demandais, j'ai eu la chance déjà de vous recevoir il y a quelques temps. Vous êtes un acteur qui est plébiscité. Quels sont les challenges maintenant auxquels vous devez répondre? Le mobile est clairement bien installé, c'est rentré dans les usages, en tout cas pour tout ce qui est autour du voyage. Quels sont vos prochains enjeux? Alors déjà, il y a un challenge qui est permanent, qui est de rester plébiscité, justement. C'est à partir c'est du moment où on a une application mobile, tous les éditeurs le savent, chaque renouvellement, chaque mise à jour d'application est un vrai challenge. Donc il y a un gros travail en amont et on croise les doigts pour que tout se passe bien et aucune victoire n'est acquise. Donc voilà, c'est un challenge permanent. Sinon, les enjeux du mobile, c'est d'accompagner ce qui nous concerne nos clients en mobilité. 100% de nos clients sont en mobilité de fait en achetant un billet de train. C'est aussi de veiller à offrir une expérience client sans couture d'un canal à l'autre. Et autant les enjeux passés avaient été justement de développer le mobile fortement, autant 2014 consistera essentiellement à désiloiser le mobile et faire en sorte qu'il s'inscrive pleinement dans un environnement global pour le client, donc web et mobile, sans rupture, sans couture.